Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les ciseaux? J'ai une petite puce qui s'est réveillée avant que le réveil sonne et. Enfin, qui est venue dans le lit. Ah. Et qui ensuite, elle est allée toute seule dans les toilettes. Dans le salon. Tiens mon cœur, tu fais attention à pas te couper. Mais il marche pas très bien ces ciseaux. En fait, moi je croyais qu'elle se levait pour aller aux toilettes. Et en fait, non. Parce qu'elle est venue dans notre lit. Et en fait non, elle s'est levée et elle est allée dans le salon toute seule. Là je vais voir ce que je vais faire pour le petit-déj. Le matin on a un nouveau rituel, c'est qu'on met les petites histoires avec Alexa. Et du coup c'est super agréable d'écouter des histoires et d'être calme. La Diora, elle est en train de faire quoi? Tu fais des dessins? Je sais pas si tu peux faire ça. Et je vais voir. Si on s'en serait d'accord, et ben elle fera venir un mot pour Halloween. Oui, bien sûr. Un petit cœur. Et la créativité. Femme. Non, dessine pas sur le truc, chérie. Après, on va s'en mettre partout sur les doigts. Ouais, tu regardes tes doigts, ça va être chouette pour aller à l'école, on va aller nettoyer tout ça. Viens, mais ferme la porte. Il est vraiment là. Le vlog est monté, il est en train de charger. Il faut absolument que j'arrive à joindre Laure pour faire un point avec elle, savoir ce qui manque et ce qui manque pas pour le projet. Je vous rajoute des trucs en plus là sur ma petite liste. J'ai une petite liste avec des couleurs et tout. J'ai fait ça trop bien. Genre la nana est trop fière d'elle parce qu'elle fait une liste avec des couleurs. Mais c'est pas une blague, hein, c'est une vraie journée à rangement. Là j'ai la cuisine à faire. Je vais commencer par faire tourner mes machines déjà. Ça sera pas mal. Hein. Faire machine de blanc. Il y a des machines comme ça qui sont un peu relou. Genre dans la machine de blanc, je veux pas mettre ça. Donc je fous dans les couleurs. Mais quand Eliora, elle fait. Parce qu'Eliora, elle met son linge au sale. Et à chaque fois, elle me dit noir ou blanc. Et du coup, là, je lui dis noir. Je lui dis blanc. Et en fait, c'est noir. Enfin, bref. Vous avez compris, le tri du linge, c'est un casse-tête. Surtout que monsieur Loïs, il faut pas qu'on mette ses chemises à sécher. Alors qu'on a une machine lavande séchante qui est trop bien, qui froisse pas le linge. Mais ça, il a décidé que ça froissait le linge. Faut que je reprenne de la lessive. Ça coûte pas trop cher la lessive, c'est un peu de ouf que ça coûte. J'ai de quoi faire deux machines. Je vais pas aller loin, faut que j'aille en racheter là maintenant. Chouette. Alors. Voilà, c'est parti pour la première machine. Et maintenant que le lave-vaisselle, maintenant que le lave-linge tourne, il faut débarrasser le lave-vaisselle, le remplir, faire la vaisselle. C'est parti. Louis finit de se préparer et on va au marché faire quelques courses. On est toujours toujours accompagné de notre fidèle destrier. Et bien ça y est, on est parti pour le retour du marché. Je vais commencer avec ce que j'ai sous la main. Donc là, chez le volailler, j'ai pris des œufs aussi. Je vais regarder ce que c'était comme œufs. Hein. Clairement, ça se trouve, je me suis fait avoir. C'est des gros œufs, mais est-ce que c'est des œufs qu'on a vus Est-ce que c'est des œufs qu'on a vus? Alors là, je vois pas sur celui-là. Il y en a un que j'ai cassé, super. Super.
super. J'arrive pas à savoir. C'est des œufs plein air. Donc c'est déjà bien. Mais je viens de casser un œuf. Donc je vais le faire cuire. Voilà. Je vais le faire cuire parce que sinon je vais le perdre. Et je veux pas le perdre. Parce que je viens de l'acheter. Ce serait quand même bête. Alors ensuite, on n'a pas pris énormément cette poche à oreiller. On a pris quoi? Je me suis pris, c'est des cordons bleus. Mais dedans c'est tomate mozza seulement. Ouais, c'est poulet, tomate mozza en gros. Et ça je le prends pour moi. Ou pour Edura aussi. Hein. C'est-à-dire il n'y a que Loïs qui aime pas ça en fait. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Vous devez mieux voir là comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, alors ça c'est des blancs de poulet, c'est du poulet jaune, des blancs de poulet jaune j'ai pris. Et j'en ai pris 8 pièces parce que ça je les congèle et c'est nickel pour cuisiner toute la semaine, voire un peu plus. On n'avait plus de poulet. Et des cordons bleus de d'Inde, voilà, normaux, basiques. Nous on préfère, on prend au comté normalement, mais là il n'en avait pas, donc c'est mardi. Vous n'allez pas très très bien m'entendre à cause du... Je vais le mettre sur pause peut-être. Non, j'ai pas le temps de le mettre sur pause. Ensuite, on est passé à acheter des fruits et des légumes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des pointes d'asperges blanches. J'en ferai une partie ce soir. Bah non, parce que je suis pas là ce soir. Donc ils se débrouillent les deux là. Ce sera pas ce soir, ce sera un autre soir. Et j'ai pris aussi... des bons raisins sans pépins, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont trop beaux, ils sont super bons. La dernière fois on les lui a déjà pris, c'était super bon. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici qui se cache? Ah, ça c'est bon ça. Une petite barquette de tomates cerises, mais c'est des tomates noires comme ça, c'est trop trop bon ça, délicieux. Et hop, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah oui, alors je lui prends à ma petite à mon primeur là, je lui prends un ensemble à chaque fois de ces trois tomates dites tomates anciennes. Donc il y a une jaune, une noire et une rouge, et ensemble ça fait une salade tellement bonne. Je prends à chaque fois la jaune, là j'ai pris une grosse parce que j'adore. Mais ce n'est pas fini, on n'avait plus de fruits ni de légumes, donc j'ai fait le plein. Elle nous a offert de la ciboulette et du basilic. Le basilic il sent super bon. Je vais le faire infuser. Elle m'a conseillé de le faire infuser parce qu'il n'était pas tout neuf. Et de la ciboulette. Il sent très bon aussi. Hop, ça va être mes petites fines herbes. J'ai pris une botte de carottes. Hop, trop belle. Des concombres, des gros concombres comme ça, ils sont super bons. Celui-là il est immense. Celui-là aussi. Hein. Elle m'a dit de bien le laisser dans le papier, mais un joli chou-fleur. Voilà. On aime bien les manger crus, nous, avec une petite sauce comme ça. J'ai pris des betteraves rouges, enfin normales. Oula, pardon. J'ai pris des betteraves, hein, déjà cuites. Deux courgettes comme ça avec une aubergine. Elles sont vraiment belles ces aubergines. Hop. J'ai pris des poires. Des bonnes poires. Pour faire notre jus le matin avec Edura, on fait pomme poire. C'est super bon. Là elle m'a mis, elle est trop mignonne, elle m'a mis des fruits en plus, elle m'a mis des pommes et une poire en plus. Trop mignonne. Et j'ai pris des golden pour faire notre jus de pommes, une pomme poire pour le matin avec Edura. Et deux pamplemousses comme ça. Deux petits pamplemousses, trop bon. Elle m'a dit, vous allez voir, ils sont meilleurs que les pomelos ceux-là. Donc voilà, c'est parti, maintenant je vais tout ranger. Mais j'ai oublié de vous montrer le fromage. Alors allons-y pour le fromage, parce que je l'ai sorti et je ne voulais pas montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va jouer au jeu des devinettes. Ça c'est ma tome d'Auvergne, non? Oui, c'est ma tome d'Auvergne, qui est pasteurisée et super bonne. Bon, évidemment, je ne mange pas la croûte, mais bon, c'est le fromage que je mange, que je peux manger. Ça c'est une tome de chèvre.
Non, c'est une tome de vache. C'est une tome fermière à la vache. Au lait de vache. Enfin, à la vache, au lait de vache. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est, ça sent trop bon. Ça, c'était une autre tome, une tome de brebis. Voilà. Et ça, c'est du comté affiné 24 mois, fleuri comme ça. Vous savez pas comment j'ai envie de croquer dedans, là. Alors oui, les pâtes cuites comme ça, il y a moins de risques. Mais je n'ai pas le droit. J'ai le droit uniquement quand c'est à base de lait pasteurisé au niveau des fromages. Donc je vais pas prendre de risques. On dit que c'est beaucoup moins risqué, mais je vais pas prendre de risques parce que si on chope la toxo quand on est enceinte, comment vous dire que ça peut être super grave pour le bébé. Donc clairement, je vais ne pas en goûter et attendre jusqu'à ce que j'accouche. Et ne vous inquiétez pas, le jour où j'accouche, le repas d'après, il est fait de poissons crus, d'huîtres, de fromage et de burrata. Voilà, je vais passer une commande à Loïs. Je vous raconte pas avec des fruits de mer et tout. Je vais dire, tu me ramènes tout ça à la maternité. Je veux un énorme truc. Ça va être très drôle. Maintenant que j'ai tout rangé, je vais préparer un bocal avec le basilic et l'huile d'olive. Donc je viens de nettoyer le basilic, je suis en train de le sécher. Je vais récupérer les jolies feuilles et je vais les mettre là-dedans avec de l'huile d'olive. Il m'en reste pas des masses, je vais envoyer Loïs, Loïs est parti bosser mais je vais lui envoyer un texto avec les trucs qu'il me faut, y compris les pastilles lave-linge. Ça va être compliqué sinon. Ouais, zut, zut, zut. Bon bref, je vais faire ça, je vous montre. Du coup, ça me fait un déj de folie. J'ai un avocat, de la chouchouka, des œufs brouillés au fromage et ma petite challah maison là. Oh, je vais trop bien manger. Hein. Pour moi, là, c'est le paradis. Manquerait que des crudités, mais j'ai trop la flemme de me les préparer en vrai, c'est ça. Du coup, c'est parti pour la pause déj. Par contre, je sais pas du tout quoi regarder. Est-ce que je sais plus ce que j'ai en cours? Parce que je crois que j'ai fini tout ce que je regardais qui m'intéressait en ce moment. C'est maintenant l'heure d'aller chercher Eliora. J'ai refait tourner une machine. J'ai tellement de choses à faire là et pas assez de temps. Et en plus ce soir j'ai un dîner avec Milka. Et ça va être super cool. 4 heures. Elle tourne, elle va jamais s'arrêter. Et il y a même Laure qui débarque à la maison ce soir. Parce que ça y est, on entame une partie hyper importante du projet Top Secret. Et du coup les vlogs ils seront certainement ridicules. Parce qu'on va essayer de vous garder au max du max la surprise. Franchement c'est assez dingue, mais là je vais aller chercher ma puce et j'espère qu'elle est fatiguée. J'espère vraiment qu'elle est fatiguée parce qu'il faudrait que je me repose vraiment avant de partir ce soir. Sinon je vais être trop au radar et je pense que ça se voit, je me suis même pas maquillée, j'ai même pas encore pris ma douche. Je vais prendre ma douche juste avant de partir en fait, enfin quand je serai avec Ellie et que Loïs y va rentrer. Je suis bien rentrée avec Eliora qui avait des dessins à terminer à la maison. C'est ça? C'est celui de ce matin que tu n'avais pas fini? Quand il voit la maison, il y a... Quand il voit pas la maison, il utilise l'autre rouille, ça roule tout seul. Ah, d'accord. Ça, c'est pour la maison. Faut que j'aille sortir la machine, apparemment, les presses. Tire ça jusqu'au truc, tous les trucs, parce que donc, je crois qu'il y en a beaucoup. C'est vrai, en plus. Ok. Bon ça y est, je me suis maquillée, je me suis habillée, j'ai mis une jolie robe pour aller au palais de Tokyo parce que j'ai un cocktail ce soir avec Milka et Loop. Je vous en parlerai plus en story d'ailleurs. Loïs est là, il est en train de bosser, il fait du home office et il y aura dans sa chambre. Et j'ai une migraine de l'espace, le retour, donc je vais aller me poser, j'ai 30 minutes pour faire passer cette migraine. Je croise les doigts, j'ai pris du Doliprane et tout, je me dis peut-être que ça va marcher, on sait jamais, un miracle est vite arrivé. Je vais me poser 30 minutes et puis après je vous embarque avec moi jusqu'au palais de Tokyo. Mais avant, je vous montre ce petit chat qui fait un spectacle. Mon petit chat d'amour. C'est terminé. Applaudis. Bravo. Bon, c'est parti pour moi. Ça a été encore un peu difficile. Eliora ne voulait pas que je parte. Je la comprends, j'avais pas envie non plus. Mais il faut que je me dépêche parce que je vais être à la bourre. Donc voilà. Par contre, impossible pour moi de mettre d'autres chaussures que des chaussures confortables en ce moment. Je suis bien trop fatiguée, j'ai pas envie de me casser la figure. La dernière fois, j'ai mis des talons, j'ai mis 3 jours à me remettre. Alors qu'avant,
quand je travaillais. Quand je travaillais chez Dior, par exemple, c'était tous les jours les talons. Tous les jours. Bon, même si c'était des micro-talons, c'était tous les jours. Et Dior m'a décoiffée parce que. Parce qu'elle voulait jouer avec moi, du coup on a joué. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un style de pas être coiffée. Et j'ai mis une jolie robe, mais vous verrez tout ça de toute façon bientôt. Donc je vous dévoile pas tout. Là, j'espère que ça va. C'est parti, mon Uber devrait être arrivé quand je suis descendue normalement. Et mon ventre, les gars, mon ventre. Bon, en fait, il y avait tellement de monde et de bruit que j'ai pas du tout pu vlogger, mais je vous ai mis des petites explications en story sur mon Instagram. Là, je vais rentrer à la maison, manger, retirer mes chaussures, me mettre en pige et attendre que Laure arrive à la maison. Elle est dans le train, elle sera là d'ici une heure et demie, je pense. Une heure et demie à la maison, tranquillement. Il y aura étendu, je suis en pige. Regardez-moi ce bidou qui est tellement bien, plus à l'aise. Par contre, j'ai vraiment mal au dos. Mais ce soir, je me refais la même chose que ce midi parce que je demandais à Louis qui me prépare à manger. Il a pas voulu, j'ai pas compris. Faut que juste que je me fasse de la vinaigrette. Je me remettrai de la tchatchouka, parce qu'en fait, il y en a qui me disent on dit tchatchouka, mais en fait, c'est pas la même chose. La tchatchouka et la tchatchouka, c'est pas la même chose. Moi, c'est la tchatchouka alias de la salade cuite. Voilà. Bon, donc du coup, je me suis fait un autre avocat, des œufs, mais sans gruyère parce que j'en avais plus. Et je vais mettre ça et puis de la vinaigrette, voilà. Ça ira très bien et du pain tressé, c'est parfait. Et voilà, donc du coup, exactement, quasiment exactement la même assiette que ce midi. Mais regardez qui est arrivé. Oula. En vrai, ça doit bien faire une petite heure, ouais. Une toute petite heure. Ouais, je suis arrivée à 22h en bas de temps. Que Laure est là, on a déjà fait plein de trucs. On vient d'aller à la cave et tout. Et Laure, j'ai eu un commentaire qui pensait que le projet secret, c'était la gender reveal. C'est un peu tôt, hein. Ouais, je dis que c'était pas ça le projet secret. C'est pas un projet secret, tout le monde sait que c'est moi qui ai fait la gender reveal. C'est une évidence. La gender. Gender reveal. Parce que ginger, ça fait gingembre en fait. Ouais, c'est pas grave, c'est très joli. C'est la révélation du gingembre. Le 5 du sexe du bébé, c'est moi. Sauf la déco. Non, non, moi je m'occupe de l'enveloppe. Ouais, voilà. Ça suffit. En plus, elle va nous donner. C'est la tâche la plus dure. Tu sais, je peux te faire une blague, c'est de te faire des. Tu sais, les paillettes, elles sortiront ou les ballons de toutes les couleurs et tout. Et puis tu feras. Ah, surprise, je te dirai pas, faut me payer maintenant. Je pense que je peux l'étrangler. Je pense qu'elle me fait un truc comme ça. Mais et à la limite, j'aurais même pas le temps de le faire que Loïs lui aura déjà sauté dessus. Parce que c'est celui qui attend le. Qui est le plus pressé, je crois. C'est un lui, truc de. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Il disait un garçon, maintenant je crois qu'il pense que c'est une fille. Et toi, tu penses que c'est une fille? Moi, je pense que c'est une fille. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est l'un ou l'autre. Ou l'autre. J'ai 50% de chance. Ouais, t'as une chance sur de trouver la bonne. Moi, je pense que c'est un bébé. Ouais, bon, je pense que ça, pour j'ai 100% de chance de réussir. Ça, ça suffit que c'est un bébé. Mais que c'est, le ventre, il est déjà lourd à 4 mois, quoi. Ça tire hein, au début quand ouais, ça tire. Tous en fait, ouais. Donc, du coup, t'as une sensation de lourdeur. Alors que cartes. C'est pas lourd au début, mais à la fin, par contre, tu marches comme une bête. Tous ces cartes, elle a dit. Ouais, à la fin, j'avoue, t'es là. Tu ouais, marches comme ça. Comme un canard. Tu fais le bateau. Bon, du coup, on va bosser encore un petit peu là sur. Un petit peu. J'aime bien le. Petit peu. Oui, on bosse un petit peu là. Tout est relatif. Non, on va préparer tout. On va tout préparer. Les valises. Pour, on part pas en voyage, hein, malheureusement. Dans Paris. On aimerait bien. Et voilà, on a fini de préparer toutes les affaires pour demain. Pour le projet top secret. J'aime bien, c'est top secret, attention. Et là, alors elle commence son montage. Je voudrais faire le mien aussi. Elle a pas pris ses écouteurs. Donc je la déteste. En fait, je n'utilise jamais ces écouteurs. Et ceux que j'ai, c'est ceux pour mon iPhone. Mais du coup, c'est des. Ouais, mais quand t'es pas chez toi. Bah, ça m'arrive quasiment jamais. En fait, donc du coup, j'ai pas de soucis. Ouais. Et moi, j'ai le. Je vais l'envoyer chercher mais mon casque alors. Parce que j'ai plus à froid. Ouais. Parce que là, le bidou, il est trop lourd. On est descendu à la cave et tout. On a été des warriors. On a préparé une valise. Il y a encore plein de trucs par terre et tout. En fait, on a oublié toute une partie de ce que j'avais déjà préparé avant de faire les courses que je t'avais montré. Alors, c'est mystérieux, hein, comme ça, vous comprenez pas. Hein. Mais Laure non plus, elle comprend pas. Moi, j'ai pas compris. Là, je l'écoute, ça lui fait plaisir. Toi. Elle est méchante. Bon, du coup, voilà. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il faut que je fasse le montage, qu'il est 23h40 et qu'on se lève à 7h. Trop cool!
fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, sachant que ce sera des vlogs mystères. Je sais pas combien de temps, je sais pas comment on va gérer les vlogs, je sais pas comment ça va se passer. Mais tout sera mystérieux pour vous, puisque on ne vous dira pas tout de suite de quoi ça s'agit. Ce soir, mercredi prochain. Mercredi prochain. Pas aujourd'hui pour vous, mais dans une semaine. Mercredi, ouais, dans une semaine à peu près, vous saurez. Si on prend pas de retard. Ouais, si on n'a pas de retard. On veut pas prendre de retard. On va essayer de pas prendre de retard. C'est plutôt ça le Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.